Le Mitsubishi A6M, le chasseur Zero, est connu dans le monde entier. Appareil singulier, il fut l'un des meilleurs avions de combat de la Seconde Guerre mondiale, supérieur à tout ce que les États-Unis pouvaient lui opposer. Face à une machine aussi rapide et aussi agile, le succès d'un pilote de chasse repose à la fois sur son entraînement, sa tactique et sur sa force de caractère. Il doit être agressif, aimer se battre et aimer à réfléchir intelligemment. Il doit connaître parfaitement les performances de son avion. C'est aussi simple que ça. Il ne fallait pas s'attaquer à eux tout seul. Si vous le faisiez, c'est que vous étiez fou. Et je ne connais aucun pilote de chasse qui vous dira qu'il s'est battu seul à seul avec un zéro. Nous dépendions étroitement les uns des autres. C'était une question de tactique. Ces tactiques qui permettent au Grumman Wildcat de maîtriser les zéros allient pragmatisme et agressivité et se perfectionnent au fil des confrontations. You can't shoot anything if you can't bring your guns around the barrel. Aucun espoir d'abattre qui que ce soit si on ne peut pas l'avoir dans la ligne de mire de son canon. Je me suis demandé ce que nous ferions si nous volions en formation, disons quatre avions en deux sections, face à l'ennemi. Si vous savez que l'ennemi a un avion plus performant, vous ne faites pas demi-tour pour fuir, parce qu'il peut vous rattraper, et vous serez une cible facile. Il faut aller vers lui et toujours l'empêcher de se retrouver derrière vous. J'étais pas sûr que ça marche, alors je suis parti un matin et j'étais voir un jeune pilote, Butch O'Hare. Je lui ai donné quatre avions et moi j'en ai pris quatre. Ça marchait très bien. O'Hare est le pilote de l'aéronavale par excellence. Il n'est pas agressif à outrance. Il faut répliquer à la grande expérience et au matériel des Japonais avec beaucoup d'application et de précision dans la mise au point de nouvelles tactiques. Il avait une façon de présenter les problèmes non seulement en donnant l'exemple en vol, mais aussi à terre, en expliquant calmement, en détail si besoin était. Et on comprenait très vite, ça restait gravé dans la mémoire. Des petites choses comme faire attention à la consommation, regarder derrière soi au bon moment, du moins avant d'engager une passe ou de lancer une attaque. Et je peux vous dire que je me suis sauvé la vie plusieurs fois en me souvenant de petits détails comme cela. Les zéros ont été conçus pour être aussi légers que possible. Ils sont rapides et agiles, mais ont deux inconvénients, ils sont fragiles et n'ont pas de blindage. Ne pouvant rivaliser avec les qualités du zéro, les pilotes de chasse américains doivent exploiter ces faiblesses. On ne peut pas se permettre une seule erreur. Si on en fait une, c'est la dernière. La structure légère des zéros leur confère une vitesse en piqué assez limitée. Et en quelques rafales, les chasseurs américains peuvent les toucher très sérieusement. En 1943, ils perdent l'avantage devant des appareils beaucoup plus robustes et des meilleures tactiques. Après la bataille de la mer de Corail, les deux camps se retirent et se préparent au prochain conflit. Les Japonais ont déjà des plans précis. L'invasion de Midway, dont l'ordre a été donné le 5 mai 1942. Et comme l'état-major d'Hawaï va bientôt le découvrir, ce sera un engagement massif très élaboré où quelques 200 navires, y compris 8 porte-avions et plus de 600 avions, seront déployés. L'amiral Nimitz ne dispose alors que de 76 unités au total, dont une bonne partie doit rester en réserve. Mais les forces navales américaines, aussi préparées que possible, n'ont d'autre alternative que d'entrer dans la bataille avec l'espoir de faire tomber les Japonais dans leur dispositif. Après la bataille de la mer de Corail, il ne reste que deux porte-avions opérationnels, l'Enterprise et le Hornet. Mais un effort extraordinaire dans les chantiers navals de Pearl Harbor permet de réparer le Yorktown en deux jours et de lui faire rejoindre la flotte. Dans les deux camps, les ordres fusent, mais l'US Navy capte les transmissions japonaises, fournissant à l'amiral Nimitz un avantage de taille, les renseignements. Les plans japonais sont complexes. Trois escadres doivent se lancer dans l'étrange invasion des îles Aléoutiennes le 3 juin et une quatrième dans l'attaque de Midway le lendemain. Les porte-avions nippons sont dispersés. Quatre bâtiments constituent une force d'intervention et les autres escortent individuellement plusieurs convois.
une ligne de surveillance de sous-marins doit se charger d'intercepter la flotte américaine dès qu'elle bougera pour répliquer. Mais au moment où ces sous-marins se mettent en position, les navires de l'US Navy sont déjà en place au nord de Midway. Les Japonais ont établi leur plan sur une seule possibilité de réplique des Américains et il leur sera impossible de réagir si les navires de l'US Navy ne font pas ce qui est prévu par l'état-major. J'ai été convoqué dans la cabine de l'amiral Spruance qui m'a dit qu'il s'agissait d'un grand tournant car il nous restait très peu de navires. Et si cet affrontement majeur devait se solder par une défaite, c'est la guerre que nous perdrions. Au petit matin du 4 juin 1942, les appareils des quatre porte-avions de l'amiral Nagumo partent à l'attaque des avions basés sur l'île de Midway. Pour les éradiquer, il donne l'ordre de préparer une seconde vague d'attaque sur l'île. Cette fois-ci, les avions seront chargés de bombes. Dès lors, les missions de reconnaissance opérées par des croiseurs sont modifiées pour y inclure les porte-avions. Il était à peine 8 heures quand nous avons appris que l'escadre d'attaque japonaise comprenait aussi leurs porte-avions. Il était temps pour nous de décoller. Pendant que Nagumo donne l'ordre de démonter les bombes de ses avions torpilleurs pour les réarmer, les avions d'attaque américains sont déjà en route. Après le harcèlement constant de petits groupes en provenance de Midway pendant toute la matinée, les Japonais sont dangereusement dispersés. Les raids de bombardement ont obligé les navires à s'éloigner les uns des autres et plus de la moitié de leurs avions sont en l'air, revenant de Midway ou en position défensive. La première vague d'avions embarqués américains doit aussi se disperser et les bombardiers en piqué ne peuvent entrer en contact avec les navires japonais. Mais à 9h20, 15 avions torpilleurs Douglas Devastator les repèrent. Nous avons foncé droit sur la flotte en essayant d'éviter les destroyers et les croiseurs. Nous prenions comme cible tout ce qui se présentait. Ils avaient environ 75 avions qui essayaient de nous descendre et nous n'étions que 15. Alors ça n'a pas duré très longtemps. J'étais en queue de formation, le dernier avion. Je pouvais voir tout ce qui se passait. J'ai attaqué ce porte-avions et j'ai réussi à m'approcher suffisamment pour larguer ma torpille et remonter. Je ne pouvais pas utiliser cette main. J'avais reçu une balle ici et une dans le bras. Les zéros me sont tombés dessus par l'autre côté et m'ont abattu. Et quand j'ai refait surface, je me suis hissé dans mon radeau de sauvetage. J'étais aux premières loges pour assister à cette grande bataille. J'ai vu nos bombardiers en piqué arriver. Je connaissais tous les gars et je savais que c'était leur première attaque. Non seulement avec une bombe à bord, mais avec cet avion. Alors je les ai encouragés comme un match de football. Pendant une heure, les zéros défendent la flotte japonaise contre trois vagues d'avions torpilleurs et 35 avions américains sur 41 sont abattus sans qu'un seul ne parvienne à endommager les navires. Lorsque les bombardiers en piqué arrivent à 10h20, les zéros n'ont presque plus de munitions et sont contraints d'opérer au ras des vagues. Les quatre porte-avions japonais sont dépourvus de protection aérienne. À leur bord, on est en plein réarmement des avions, des bombes et des torpilles sont étalées sur les ponts. En moins de 5 minutes, 3 des 4 bâtiments sont détruits. Les bombes déclenchent des séries d'explosions qui les mettent en pièces. Le dernier porte-avions japonais se lance à l'attaque. Pendant un moment, l'avantage change encore de camp. Plus de 80% des avions américains sont soit détruits, soit pris en chasse par les Japonais alors qu'ils regagnent leur navire pour refaire le plein. Cette poursuite mène les Japonais jusqu'au Yorktown. Ils le touchent à 3 reprises et l'abandonnent en flammes, immobilisé. L'amiral Fletcher transfère son pavillon sur un croiseur alors qu'on tente de réparer les dégâts. À 14h30, la seconde vague japonaise arrive. Sur le Yorktown, on a réussi à éteindre les incendies et les moteurs tournent. Le navire reprend lentement de la vitesse. Croyant voir un nouveau bâtiment, les pilotes nippons fondent sur lui.
L'Enterprise et le Hornet ont perdu énormément d'avions au cours de la matinée. Ils ne peuvent rassembler que 25 bombardiers en piqué Dauntless pour attaquer le dernier porte-avions japonais. Ceux-ci décollent à 15h30. À 16h, 16 autres avions ont encore pu être préparés. Sachant qu'ils tirent ses dernières cartouches, l'amiral Spruance donne l'ordre de décoller. Dans l'autre camp, l'équipage à bout de force prépare une troisième attaque sur les porte-avions prévue à 18h. Mais les Américains arrivent à 17h30 et le bâtiment doit faire face à son ultime assaillant. Touché trois fois, il est perdu. Il brûle jusqu'à la ligne de flottaison durant toute la nuit et sombre à 9h15 le lendemain matin. Les quatre porte-avions de l'amiral Nagumo, fer de lance de la puissance navale japonaise, gisent tous au fond de l'eau. L'amiral Yamamoto n'a plus qu'un espoir, intercepter les navires américains au cours de la nuit et les détruire avec ses cuirassés. Mais prudemment, Spruance se retire en faisant route vers l'est. Le lendemain matin, la flotte japonaise se retire à son tour et abandonne l'invasion. Quant au Yorktown, il a été la proie de deux attaques japonaises. Les pilotes ont été persuadés d'avoir touché deux des trois porte-avions américains. Après les avaries dans la mer de Corail, l'équipage du Yorktown a pris toutes les précautions possibles, mais en vain. Si la seconde vague d'attaque était venue 10 minutes plus tard, le bâtiment aurait disposé d'une escadrille de chasseurs supplémentaires pour sa protection. Mais il est surpris, presque sans défense. Endommagé, il ne peut se soustraire à l'attaque. Deux torpilles ont raison de lui. Ordre est donné de l'abandonner. Ce qui distingue la bataille de Midway de celle de la mer de Corail, c'est qu'elle a été décisive. C'était le commencement de la fin pour la puissance navale japonaise dans le Pacifique. Je ne voulais pas qu'il me repêche. Alors j'ai mis un coussin au-dessus de ma tête et je le tournais dans la direction des navires qui passaient. Et je pouvais les observer du coin de l'œil. Je voyais un peu à travers. Ils m'observaient à la jumelle. Mais ils pensaient que c'était une caisse ou un morceau d'avion plutôt qu'une tête qui flottait en surface. Et ils continuaient leur route. Un PBY est passé au-dessus de moi, s'est posé sur l'eau et m'a récupéré. Il m'a déposé à Midway. Arrivé à Pearl Harbor, j'avais perdu 12 kilos. L'amiral Nimitz est venu me voir. Il voulait savoir ce que j'avais vu. Avoir été aux premières loges de la plus grosse bataille navale de l'histoire, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. La défaite écrasante de Midway laisse la flotte impériale avec moins de porte-avions dans le Pacifique que les États-Unis. Pour la première fois, les stratèges japonais doivent admettre que leur expansion pourrait bien s'arrêter. Pourtant, ils persistent dans leur plan d'invasion de la Nouvelle-Guinée et consolident leur base dans les îles Salomon. Les analystes américains s'intéressent également à ce secteur en tant qu'étape dans leur offensive vers le Japon. Lorsque les services de renseignement rapportent que les Japonais sont en train de construire une base aérienne sur l'île de Guadalcanal, le Pentagone décide d'empêcher l'établissement d'une garnison en envahissant l'île. L'opération débute le 7 août 1942. Elle va se poursuivre par une série de combats sur l'île et ses alentours jusqu'au 4 janvier 1943. Au cours de ces 5 mois, les porte-avions américains se sédentarisent pour la première fois en fournissant la couverture aérienne pour les débarquements, les convois d'approvisionnement et de renfort afin de soutenir les Marines. Les Japonais viennent régulièrement les attaquer. Lors de la bataille des Salomons orientales, quelques jours après les débarquements de Marines, le petit porte-avions japonais Ryoyo est coulé et l'Enterprise est endommagée. Puis le Saratoga et le Wasp sont tous deux torpillés par des sous-marins. Le premier sera réparé, mais le second est coulé. Pendant que l'Enterprise est en cale sèche, le Hornet reste le seul porte-avions de l'US Navy encore opérationnel. «
Le 26 octobre 1943, les flottes japonaises et américaines s'affrontent une fois de plus à Santa Cruz et le Hornet est coulé. Les deux camps sont épuisés et les Japonais font retraite avec leurs porte-avions. Les pertes de la marine impériale sont si élevées que ses chefs veulent abandonner Guadalcanal. Mais l'armée japonaise insiste pour continuer la lutte et des troupes supplémentaires sont débarquées en renfort. Finalement, les Japonais doivent se rendre à l'évidence et reçoivent l'ordre d'évacuer. Pour les marins de la flotte américaine, il est temps de reprendre des forces. L'effondrement de la puissance navale pendant les opérations de Guadalcanal sera éphémère. En revanche, pour les Japonais, la situation est bien plus critique. Leurs raids quotidiens sur les navires et les forces terrestres ont coûté très cher. Pendant la campagne, ils perdent ainsi plus de 600 avions avec leur équipage. Ces pertes en hommes et en matériel ne pourront jamais être compensées. Aux États-Unis, la formation se développe pour fournir un flot continu de nouveaux pilotes, alors qu'au Japon, on accepte des aviateurs de moins en moins qualifiés. Les appareils d'entraînement illustrent parfaitement la manière dont l'industrie américaine participe à l'effort de guerre. Les excellents appareils Harvard et Texan de chez North American prolifèrent rapidement. Dans tout le pays, les usines produisent de grandes quantités d'appareils. Étant donné la complexité croissante de leur équipement, le contrôle de qualité est draconien aussi bien dans la conception que dans la construction, et beaucoup d'avions garderont longtemps une excellente réputation. À son entrée en guerre, l'US Navy est en pleine mutation. Elle vient juste de déployer ses premiers monoplans et certaines des nouvelles machines révèlent déjà leurs faiblesses. Mais la gravité de la situation définit clairement les problèmes. Une fois les besoins spécifiques établis par les premières expériences au combat, l'industrie va réagir très rapidement. De nouveaux types d'avions sont produits en grande quantité. Les Japonais vont perdre très vite l'avantage qu'ils détenaient, aussi bien en qualité qu'en quantité. Alors que les Grumman Wildcats sont indéniablement surclassés, parvenant à se maintenir grâce à la discipline et au courage de leurs pilotes, de nouveaux chasseurs sont en route pour prendre le relais. Le plus récent de chez Grumman est le F-6F Hellcat, une des grandes machines de la Seconde Guerre mondiale. Il est conçu et produit dans la précipitation, mais va se révéler exceptionnel. Il commence à sortir des chaînes de production en novembre 1942. Les avions américains abattus sont remplacés non seulement bien plus rapidement que ceux des Japonais, mais par de nouvelles machines, beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus nombreuses. L'arrivée de nouveaux avions comme le Hellcat et l'Avenger, qui sera l'avion torpilleur standard jusqu'à la fin de la guerre, ouvre une nouvelle phase du conflit. Pendant que les adversaires reprennent des forces, l'activité dans le Pacifique est des plus calmes. Guadalcanal a clairement démontré que le prix à payer pour pousser vers le Japon sera très élevé. Les deux chefs de guerre américains, l'amiral Nimitz et le général MacArthur, vont devoir limiter sérieusement leurs pertes et préserver leur énergie pour pouvoir avancer. La suprématie aérienne est la condition sine qua non du succès de la guerre. Les Japonais seront vaincus par le ciel. Lorsque les Hellcat arrivent sur le front, d'autres changements significatifs au sein de l'US Navy vont avoir lieu.
Les porte-avions de la classe Essex ont été mis en chantier en 1939, mais un plan de production méticuleux a retardé leur livraison. En 1942, alors que la flotte vient de perdre 4 porte-avions, seuls 3 coques de type Essex sont lancés. Mais ces bâtiments, ainsi que les porte-avions d'escorte et les porte-avions légers, vont se multiplier et constituer la flotte la plus puissante du monde.